Le nouveau réseau par la bénédiction. J'ai entendu une voix et dire clairement. Seigneur, qui es-tu? Je vais poser des questions qui me parlent. Bénédicte, réveille-toi. Je me suis réveillé. Et je comment? Je marche. J'ai aperçu une lumière. Je suis la lumière. Je vais restaurer ta vie. Bénédicte. Pardon? Oui, mon colosseum a 12 ans. Tu sais quand tu avais 12 ans? Aujourd'hui, je vais faire des grandes choses avec toi et de témoigner devant tout le monde pour qu'on sache que tu es mon fils. Cette voix m'a dit, prends de l'eau. Je suis le Seigneur. Et cette voix dit, je suis le Seigneur. Jésus. C'est lui à qui tu crois. Les jours où tu étais devenu avec. J'ai fait 4 jours, je ne voyais pas. Ma famille paternelle s'est posé plusieurs questions. Même lumière na mon agatana na 12 ans. La même lumière que j'avais vue à 12 ans. Et c'est aussi la même lumière que j'ai vue pendant la nuit. Je suis le Seigneur. Cette fois m'a dit je suis le Seigneur. Je me suis descendu dans mon trône. Je descends de mon trône. Je descends juste pour fonctionner avec toi. Je vais arranger ta voix. Je suis arrivé ici à 5h45 et j'ai commencé à louer. J'ai commencé à louer. La belle plénitude de la gloire, la belle plénitude de la gloire, Seigneur. La lumière, parce que la vérité n'est que la lumière. Amen. Plusieurs personnes entendent parler de Jésus. La deuxième fois de ma vie, à 52 ans, mon Jésus, je suis la boucan, la télémission. Aujourd'hui, j'ai encore entendu lève-toi et. Au travers de toi que les gens me voient, j'ai la joie. C'est un jour de gloire pour moi. Et je bénis Dieu. J'ai dit ma vie. Tout ce que j'étais. Et je commence à rendre ma joie est que parce que j'avais chanté cette cantique quand je suis arrivé ici le matin. Jésus, tu es ma vie. Si je vis, c'est grâce à ton amour. Ta parole m'a donné la joie. Voici, je me tiens auprès de ta face. La lumière du salut de ce monde. Tu m'avais dit qu'un jour j'irai auprès du monde et dire que répondez-vous. Venez en Christ, celui qui ôte les péchés du monde. Venez, vous qui êtes fatigués, Christ vous donnera du repos, le repos éternel, c'est de connaître sa voix. Proverbe 8, verset 1. La Amen. Sagesse n'élève-t-elle pas sa voix? Amen. Ainsi soit-il. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Malgré que le temps avance, mais s'il y a encore quelqu'un qui veut témoigner, parce que quand on témoigne, ça édifie aussi l'assemblée. Alléluia. Si quelqu'un veut témoigner, vous avez la parole. Nous acclamons pendant que notre bien-aimé se donne la parole. Amen. Voilà. Donc, moi, du côté de ma mère, je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Donc, du côté de ma mère. Donc, j'ai été combattue pendant toute ma vie, donc je ne savais pas. Et j'ai découvert, ça fait 2 ans, et j'ai commencé les prières de combat spirituel.
Et chaque fois qu'on venait ici à l'église, ici le jeudi, je tombais toujours. En tout cas, les pasteurs sont témoins, et c'était maman, tous ceux qui sont. Amen. J'ai tombé tout le temps. Et quand moi-même j'ai prié à la maison, quand j'ai prié, c'était un combat avec les voix qui sortaient en moi. Donc je sentais les voix dont j'ai prié, mais la voix qui sort, qui parle. Donc c'était vraiment un combat et ça durait à peu près 2 ans. Mais le jour du séminaire, je suis tombée devant tout le monde, vous savez, ceux qui étaient là en vue. Et vraiment, je remercie Dieu parce que le jeudi, je suis revenue à la prière, je ne suis plus tombée. Donc je suis plus tombée, il n'y a plus de voix. Et quand j'ai prié à la maison, il n'y a plus de voix qui parle à moi. Alléluia. Alléluia. Acclame-le-moi, acclame-le-moi, acclame-le-moi. Alléluia. Alléluia. Shalom. Bon, moi je vais témoigner parce que il y a des moments quand j'ai prié, je me disais, est-ce que quand j'ai prié, est-ce que Dieu écoute ma prière? Je me disais toujours ça. Bon, je continuais toujours à prier. Alors, lors du séminaire, pendant que les hommes de Dieu priaient pour tout le monde ici, il y a une voix qui me disait, qui me parlait par rapport à 3 personnes en même temps. Moi, je me disais, non, ça, c'est dans mes pensées, je me dis, ça ne peut pas être vrai, quoi. Et la voix gueulait sur moi, va le dire qu'il y a telle chose pour telle personne, il y a telle chose pour telle personne. Je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est la voix de Dieu ou pas? Et la troisième fois, mais toute cette fois-ci, vraiment, la voix était vraiment une avant et me dit, tu dois le dire. Et j'ai dit au pasteur, je lui ai dit que voilà, il y a tel message, il y a tel message. Et parmi les personnes que Dieu m'avait parlé sur elle, et l'une d'elles, je lui ai dit, voilà, il y a un message, tel message par rapport à Dieu a dit ça pour toi. Et la personne, elle est restée évasive, elle m'a dit, mais c'est vrai. C'est vrai, en toi, j'ai glorifié Dieu, j'ai même eu la chair de peau, j'ai dit que je comprends que quand on prie, Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Dieu. Il y a encore une personne qui veut témoigner. Moi aussi, je vais témoigner Dieu. Alléluia. Moi, le samedi, j'étais là ici le matin, tous les matins, pour essayer un peu de compliquer pour qu'il y ait la sonorisation ici. Mais je devais travailler. Mais dans mon programme, je me disais que quel que soit le temps, au plus tard, 19h-19h30, je vais m'efforcer pour ne pas rater parce que la Bible nous dit que sans révélation, on est comme un peuple sans frein. Alors moi, j'avais vu ce thème du séminaire comme étant le moment propice pour que ma vie soit délivrée. Alléluia. Et je ne voulais pas rater cela. C'est-à-dire, c'est un thème qui m'avait beaucoup parlé, les fils de l'homme est apparu pour détruire. Connaissant les défis de ma vie, j'avais dit que non, je dois être là. Malheureusement, le samedi, j'ai travaillé sous la pluie, j'étais mouillé de la tête aux pieds. Et je devais venir, mais je me suis dit, pantalon mouillé, basket mouillé, tout, comment je me présentais. J'avais préféré de rentrer à la maison. Mais pendant que j'ai travaillé, j'ai regardé un peu l'air de la prière, j'ai commencé aussi à intercéder. Pendant que j'ai travaillé, j'ai intercédé. Tout en donnant les messagers par rapport au thème. Le dimanche, je suis venu assister. Mais moi, je témoigne, comme Alain Loto avait dit que non, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Alléluia. Amen. Même quand je n'ai pas vu, moi, je sais que comme j'avais demandé, moi, je crois que ce thème-là est venu spécialement pour moi, pour ma maison, c'est-à-dire que toutes les montagnes sont aplanies dans ma vie. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu puissant qui est capable de déplacer les montagnes. Donc je sais que toutes les montagnes de ma vie sont parties parce qu'il est venu pour détruire. Alléluia. Et en les témoignant, je rends ces choses concrètes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre temps est avancé. Mais je me permets aujourd'hui de ne pas céder la parole au pasteur parce que c'est lui qui va me parler. C'est un fils de la maison, c'est notre aîné. Alléluia. Amen. Donc j'ai le plaisir de le présenter. C'est Oumela. Alléluia. Amen. Notre aîné. Alléluia. Amen. Donc je n'ai pas besoin que le pasteur puisse passer pour le présenter. Pendant que notre grand frère avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Que Dieu soit loué. Amen. Bien. Je ne savais pas que c'est moi qui va prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, ça c'est ma maison. Donc, je me suis déjà préparé à conséquent. C'est là 2000 ans. C'est là l'éternité, pas aujourd'hui, pas hier. Amen. Parce que vous savez, la Bible nous dit, Dieu a parlé au sacrificateur. Il a donné que trois choses. Quand le peuple de Dieu avance pour donner un sacrifice d'un bœuf ou d'un agneau, il a donné droit au sacrificateur de trois choses qu'il devait prendre à manger. Il y a l'estomac, il y a le porc, il y a le mâchoire. Il n'y a que trois choses. Donc partout où je vais aller, partout où un homme de Dieu va aller, si on dit viens, parce qu'il a trois choses. Donc, notre estomac est plein Amen. De la révélation. Amen. Donc, on a une grande charge à porter dans nos épaules. Amen. Et on a des mâchoires pour parler. Amen. 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 Donc, ce n'est pas ça aujourd'hui. Parce que moi, je voulais venir prier avec vous. Je ne voulais pas prêcher. Amen. Mais comme c'est un ordre, donc je vais le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, on va prier. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Dans toute ta force. Merci de nous avoir donné, Seigneur, toute cette semaine en pleine due forme, Seigneur, et à une victoire très élevée, Seigneur, dans le camp du diable. Il y a toujours les combats parce qu'il nous a pas, il n'a pas atteint quelqu'un sur le camp. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour t'adorer, pour te lever encore, Seigneur. Merci, Père de gloire, parce que tu as voulu qu'on soit ainsi. Et parce que chacun, chaque chose a son temps, et chacun aussi a son temps de sa bénédiction, de sa guérison, de sa transformation, de sa restauration. Alléluia. Que la parole de ce matin soit bénie, et que nos cœurs soient toujours présents à toi, dans le nom de Jésus. Au moment où, Seigneur, nous parlons de toi, au moment où nous déclarons des choses, Seigneur, le diable n'a pas le pouvoir, Seigneur. Parce que ta présence est au milieu de nous, Seigneur. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Amen. Et nous croyons, Seigneur, à ta parole. Nous croyons au Saint-Esprit, parce qu'il est parmi nous, Amen. Dans le nom de Jésus. Ainsi que nous t'avons prié. Amen. 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 Oh,
On acclame le Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Moi, je me disais toujours, même deux, trois personnes, nous allons prêcher l'évangile comme on prêche à 1 million de personnes. Amen. Ne regardez pas les chaises vides, ne regarde que toi seul. Parce que le salut, c'est individuel. Amen. Amen. Un jour, quand j'étais en Afrique, au mois d'août, j'étais parti prêcher chez notre papy, je voulais dire mon papy, donc le papa, donc, le beau-clé de mon papa. Attends, vous voyez l'Afrique, quand vous entrez dans une église comme ça, qui ne plaît, qui ne plaît, qui ne plaît. Je préparais à fond, j'ai dit, wow, là, je dois aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas comme nous en Europe, il n'y a que 10 personnes, 30 personnes, 40 personnes, mais là-bas c'est plus de 100 personnes. J'ai dit, wow. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a beaucoup confronté. Je suis parti là-bas, on est arrivé, moi je croyais qu'on est arrivé en retard. Je crois qu'il y a notre maman, il nous attend devant la porte. J'ai dit, wow, on est en retard, il faut descendre pour que tout le monde soit. Quand je me suis rentré à l'église, il y avait 6 personnes. J'ai dit, oh, en état 6 personnes. Je suis parti, j'ai dit, oh, je suis préparé à conséquent, il n'y a que 6 personnes. J'ai dit, ça va. J'ai dit, bon, ça va, ils vont arriver. Et jusqu'à 10h, il n'y a toujours personne. Il n'y a que 2 personnes qui s'est ajoutées. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Moi, je préparais, tu dis, attends, tu vas voir. Mais je prêchais comme j'ai prêché à 1 million de personnes. Ainsi soit-il. J'ai dit oui. Quand la Bible dit, là où 2, 3 personnes sont réunies en son nom, il est parmi nous. Donc nous devons prêcher même s'il y a 2 personnes. Je veux même transpirer même s'il y a 2 personnes. Parce que le Seigneur est là. C'est très important, ce qui est important, la présence de notre Seigneur est là. Amen. Amen. Donc ta présence, vraiment, c'est bénéfique pour le Seigneur. Il faut toujours rester dans sa présence. Et il faut toujours penser y aller à la présence de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je prie à la maison, mais c'est un péché. Parce que la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Pourquoi tu pries à la maison? Nous tous sommes pris à la maison. On peut dire, on reste à la maison, moi je prie à la maison. Mais je dois y aller. Là où le Seigneur dit, j'ai préparé une place pour vous, pour m'adorer. Ça, c'est une place que le Seigneur a réservée pour nous, pour l'adoration. D'être ensemble, en communion, fraternité. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous allons lire un verset biblique. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. La Bible dit ceci. Merci. Je lui ai dit, Seigneur. Amen. Matthieu 4, versets 1 à 10. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par la diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui eut faim. Les tentateurs s'étaient approchés et lui dit, si tu es le Fils, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hautes du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes.
si tu te prosternes et m'adorer, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, je vais parler sur la prière puissante. Une prière puissante. J'ai suivi quand même des témoignages ici, ça m'a beaucoup fortifié pour le message de ce matin. Vous savez, il y a beaucoup ont des problèmes dans leur vie et ils se demandent, ils se posent beaucoup de questions. Vous savez, quand on est devant le Seigneur, on n'a pas de promesses. Et parfois, tu peux poser beaucoup de questions. Comme maman dit, est-ce que le Seigneur m'écoute ou pas? Il y a beaucoup de personnes. Tu as fait 10, 15 ans, 20 à 30 ans, tu as servi le Seigneur. Parfois, ta vie n'a pas toujours changé. Parfois, tu vois comme le Seigneur ne t'écoute pas. Il y a beaucoup aussi qui sont restés à la maison sans prier. Parfois, il a beaucoup demandé, mais il n'a rien trouvé. Il n'a rien eu comme la réponse. Vous savez, dans la Bible de Genèse Apocalypse, quand je lis la Bible, je vois que tout le monde, même Abraham, c'était que dans les songes qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ce n'était pas comme ça. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Abraham, il était parti sous l'arbre, sous le chalet du jour. C'était très très chaud, comme en Afrique. Mais Abraham, la Bible dit, il était parti se reposer sous l'arbre. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham aussi avait des problèmes. Le problème n'a pas commencé que dans notre époque. Le problème a commencé d'abord dans les jardins d'Éden. Tout le monde avait des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ne dis pas que pourquoi le Seigneur, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Le Seigneur écoute tout le monde. Mais le problème, parce que nous sommes toujours distraits. Vous savez, il y a des réponses qui nous arrivent. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui sont des causes de malheur des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause des messages, tu as un problème, Dieu ne peut pas te parler. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai un problème comme ça, je prie le Seigneur ne m'a pas montré. Le Seigneur ne me dit pas, mais le Seigneur a dit à la scène. Mais comment je peux savoir que le Seigneur a dit à la scène? Parce qu'elle a prié. Elle a prié pour son problème, mais Dieu a montré le problème de l'autre. Mais elle a caché son message. Voilà ce qui est le problème dans nos églises. Mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Dieu parle tout le temps. Il peut parler à papa, il peut parler à maman. Mais comme tu ne le connais pas, tu ne sais pas te garder le message. Mais ce n'est pas à toi. La personne qui a le problème, il attend la réponse. Mais la réponse, Dieu a donné. C'est pourquoi c'est très important. Quand dans l'église, tout songe, tout rêve, on doit passer par l'homme que Dieu a dit. Vous savez, même je peux prier pour l'église. J'ai beaucoup de problèmes à l'église. Je peux prier, Seigneur, donne l'enfant à cette dame. Donne le travail à cette personne. Donne ça. Mais le Seigneur ne me dit rien. Mais il peut dire à quelqu'un. Et quand je reçois maintenant les gens, je me dis, pasteur, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. J'ai pris déjà la parole de beaucoup de personnes. Mais si vous gardez, vous savez que tu seras la cause de malheur des autres. Abraham a vu ça dans un songe. Dieu lui a parlé dans un songe que je te bénirai. Il n'a pas descendu pour lui dire, je te bénirai, je te ferai ça. Même Salomon, c'était dans un songe. Dis-moi, demande-moi ce que je vais te donner. C'était dans un songe. Il dit, non, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Ça va. Comme tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence, je te les donne. Mais à l'aide de ça, je te donne la richesse. Quand il s'est réveillé comme ça, la Bible dit quoi? Salomon s'est réveillé. Il dit, waouh, ce que j'ai vu, c'est le Seigneur. Il est parti sacrifier. Il est parti donner un sacrifice pour ce qu'il a vu, pour les promesses qu'il a vues. Et Dieu a réalisé. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils peuvent avoir une réponse venant de l'Éternel. Mais ils croient, c'est vrai. Ils attendent. Quand ça va se réaliser, qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que tu as fait? Mais donne ton sacrifice. Allez, donne ton action de grâce. Pour sceller ce que Dieu t'a montré. C'est pourquoi tous les chrétiens auraient stupéfait. Comme Dieu ne travaille pas, comme Dieu ne bénit pas. Oh, Dieu nous bénit. Mais nous, on ne sait pas comment arrêter cette bénédiction pour avoir l'accomplissement. Toute personne que Jésus a guérie, la vraie guérison, c'était toujours au temple. Quand Jésus dit ta foi t'a guéri, et après le lendemain, il se trouve la personne à l'église et il confirme sa guérison. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand le Seigneur dit dans la bouche de l'homme de Dieu, Dieu t'a guéri. Et après demain, tu ne viens pas à l'église. Après, tu diras quoi? Non, votre Dieu ne fait rien. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La prière puissante. Nous devons avoir une prière puissante. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il est un homme, 100% homme. Parce qu'il était, il avait un corps comme moi, comme toi. Mais c'est un Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Mais il a porté un corps. Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne me voit comme ça et de vivre. Donc personne ne peut voir Dieu de vivre. Mais comment Dieu va descendre pour sauver le peuple? Parce que Dieu a besoin qu'il sauve l'humanité. Il a envoyé tous ses serviteurs. Mais tout le monde était humain. Abraham lui-même, Dieu a dit, perd de la foi, mais lui-même a menti. Moi, regarde, dans tout le monde, Dieu a vu que Noé a trouvé grâce auprès du Seigneur. Mais Noé lui-même a dit, il s'est dévoilé devant ses enfants. Mais quels sont ces gens? L'homme est toujours l'homme. On n'est qu'un humain. Attends, quand Dieu dit, j'ai trouvé un homme intègre, Noé. Après avoir Noé sauvé la vie, Noé, lui-même, Dieu a dit, fais-moi ça. Il a fait lui-même, il a goûté. Il s'est livré. Il s'est découvert. Mais tout ça, c'est significatif. Regarde, l'enfant qu'il a vu, il a annoncé à ce frère. Mais Noé a maudit. Toi, mais c'est l'enfant qui a vu, c'est l'enfant qui a rigolé. Mais regarde, qui était maudit? C'est son fils. Donc je peux dire, c'est le petit-fils de Noé, Cana. Donc Dieu lui-même est venu, il est descendu sur la terre pour sauver l'humanité, pour nous sauver. C'est pourquoi il a pris un corps. Ces jours-là, la Bible dit, là on a fait la lecture, Jésus-Christ, pour toute sa mission, il était à la montagne pour prier. Jésus avait l'habitude de prier chaque matin. Et quel est ce matin? Ce n'est pas le matin de 6 heures. Très tôt, quand il fait un peu sombre, il fait un peu clair, c'est le moment où Jésus il s'approche pour aller prier. La prière, c'est dialogue entre Dieu. C'est là où nous demandons des choses que nous avons besoin. C'est là où nous discutons avec Dieu. C'est là où nous faisons montrer, Seigneur, voilà mes besoins. C'est la prière. La prière, il faut le faire. Il faut prier. À tout moment, la Bible dit prier sans cesse. Même si tu as prié au matin, mais tu as s'associé à prier à midi, même à 10 heures, même tu peux prier chaque heure, ce n'est pas un péché. C'est notre recommandation de prier. La prière est loin des tentations. La prière nous amène une bénédiction. La prière ouvre beaucoup de portes. C'est dans la prière. Christ a prié pendant 40 jours, 40 nuits. Cet homme, ce n'est qu'un jeune, comme moi. Moi, je suis vieux que Jésus. Vous savez, à l'âge qu'il était mort, 33 ans. Il a vécu 30 ans. Mais il a commencé sa vie normale pendant que 3 ans. Mais sa vie de 3 ans était de la souffrance. Sa vie de Jésus de 3 ans, ce n'est que la souffrance et la souffrance. La souffrance là pour retirer le peuple amené au Père. C'est pendant que 3 ans.
Si aujourd'hui ta vie est restaurée, si aujourd'hui que Dieu t'a délivré, ce n'est que pour 3 ans. Oh, 3 ans, c'est que 3 jours à Dieu. C'est pourquoi il a résisté troisième jour. Chiffre 3. Mais la Bible dit quand Jésus a prié pendant 40 jours, 40 nuits, il était fatigué. Il y a un Dieu qui était fatigué. Mais notre Dieu ne se fatigue pas. Parce que il avait un corps. La Bible dit le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le corps, ça se fatigue vite. Jésus, si son corps était fatigué, il avait faim, comme la Bible dit. Il avait faim de manger quelque chose. C'est là où le diable vient. Quand tu as des problèmes, c'est là où le diable se présente. Tout le monde, quand tu as des problèmes, quand tu as une situation que tu ne vois pas, sache-le que le diable est là pour te tenter, pour te diminuer, pour te dire, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mais fais ça, non? Il dit, voilà la pierre. Tu peux transformer ça en pain et tu manges parce que tu as faim. Ben oui, je peux dire que Jésus a toutes les capacités de prendre le pain, la pierre, de prier Dieu, ça devient le pain. Il mange. Mais il connaissait que celui c'est un tentateur. Il dit, il est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Notre problème, c'est qu'il est écrit. Parce que Christ, étant que Dieu, il doit d'abord toujours s'adresser avec une promesse. C'est ça que nous oublions étant que les enfants de Dieu. Nos prières qui n'est pas puissante parce qu'il n'y a pas de promesse de Dieu. Et le diable nous attaque toujours parce qu'il n'y a rien. Il est écrit. L'homme ne peut jamais vivre que dans le pain, dans la semoule, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est l'une des fruits du Saint-Esprit encore. Vous savez pourquoi? Parce que la parole, c'est le pain. C'est le pain. Ainsi soit-il. La parole, c'est le pain. Or, le pain, c'est un couteau à double tranchant. Le pain, ce n'est pas pour couper le pain ou couper de légumes, mais c'est pour combattre. Jésus, il a fait sortir quelque chose de la révélation qu'il est écrit. Pourquoi il a dit il est écrit? C'est parce que le diable doit savoir que sa force ne peut pas dépasser la promesse de Dieu. Amen. Comment tu pries? Quand il a dit il est écrit, diable, il se retire un peu et dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'il a eu la révélation. Mon peuple, sa révélation est sans frein. Ce qui tacle le diable, c'est la parole. Ce qui fait repousser le diable, c'est la parole. Plus loin, il a avancé. Quand le diable te tente la première fois, il faut dire qu'il viendra la deuxième fois. Et encore la troisième fois. Il dit, il a transporté encore Jésus dans la ville sainte et le plaça sur la haute du temple. Et il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Parce que diable, il a entendu, il est écrit de Jésus. Il dit, ouais, je veux aussi le prendre, il est écrit. Parce que c'est juste dans la Bible. Vous savez que diable connaît la Bible plus que toi. Il connaît la parole. L'Antichrist, ce n'est pas un païen. L'Antichrist, c'est un chrétien qui est dans l'apostasie, qui a réuni la vraie doctrine. Ce sont là des antichrists. L'Antichrist, quand il te parle comme ça, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller. Nous, on a fait l'évangélisation à Angola. J'ai évangélisé. Il y avait un frère comme ça, il était très très fort, mieux que moi, dans la parole. J'ai dit, mon frère, Jésus t'aime. Il dit, ah, frère, c'est maintenant que tu commences à prier,
Je dis, mais comment? Moi, je suis déjà passé là, là, où tu vois. Il a sorti sa Bible. Il dit, tu me vois? Je suis d'abord un pasteur, mais je ne parle pas l'église. Tu viens m'évangéliser, félicitations, mais quitte. Ce n'est pas un bon chemin. Voilà, la Bible dit ça. Il m'a dit ça. C'est dans la Bible. Et diable, il sait. Il dit, comme Jésus m'a dit, il est écrit. Je vais aussi l'amener, il est écrit. Diable dit à Jésus, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est écrit, c'est une promesse de David. Et le diable a appris ça. Jésus dit, mais c'est quoi ça? Jésus lui répondit, il est aussi écrit. Donc nous devons toujours répéter les choses, toujours dans les promesses de Dieu, pour gagner ton combat. Ta prière n'est pas puissante parce qu'il n'y a pas de promesse de Dieu. Il est aussi écrit. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens. Il vient à l'église, soit tu pries à la maison. Depuis tu as commencé à prier. Depuis tu as commencé à prier. Il n'y a même pas un verset biblique dans tes prières. Il n'y a même pas de promesses de Dieu dans tes prières. Dieu, on le prend toujours dans ses promesses. Pour que ta vie change, pour que tu vois la lumière, il faut toujours aller toujours dans la parole de Dieu. Il faut toujours accrocher Dieu toujours dans ses promesses. Le diable va se retirer quand il y a toujours des promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu le dis toujours, il est écrit. Il y a qu'il est écrit. Vous savez, quand Pilate avait une inscription sur la croix de Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a écrit? Le roi des Juifs. Et il laisse comme ça. Le fait que j'ai dit, mais pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu écris? Il n'est pas roi des Juifs. C'est lui qui a dit, il est roi des Juifs, mais ce n'est pas nous. Vous savez la réponse de Pilate? Il a dit, ce qui est écrit est écrit. Il a mené toujours dans la promesse. Parce qu'il est le fils de Dieu, le roi des rois. C'est lui le roi des rois. Il n'y a personne. Or, dans ce temps-là, le roi, c'était César. Mais qui encore ce roi qui est venu dans notre monde? Il n'y a pas. Dans notre ville, il n'y a qu'un roi, César. Mais Pilate a écrit, le roi des Juifs. Parce qu'il a référé à les paroles. Une prière puissante pour que ça change l'atmosphère de ta vie, pour que ça change la vie, pour que ça change ta famille, ça doit être une prière avec des promesses de Dieu qu'il est écrit. Regarde quand tu fais tes prières. Seigneur, je vais te remercier. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Seigneur, merci parce que tu as sauvé ma famille. Seigneur, merci. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, je demande ça. Seigneur, je demande ça. Depuis que tu as commencé, tu as fait une heure à prier. Je demande ça. Seigneur, mais il n'y a pas, il est écrit. Comment Dieu va te souvenir? Comment Dieu va te souvenir? Dieu écoute, mais il ne fait rien. Dans quelle promesse que je vais te souvenir? Vous savez ce que Ézéchias a fait? Quand Dieu a envoyé Isaïe, il dit, allez dire à mon serviteur que la maladie qu'il a, il va mourir. Il va mourir avec ça, qu'il prépare sa maison. Le prophète est parti, dit, voilà, je suis venu par la recommandation du Seigneur. Ta maladie, tu vas mourir avec ça, mais prépare ta maison. Le prophète est parti. Vous savez ce qu'Ézéchias a fait? La Bible dit qu'il a tourné la tête vers Jérusalem. Il a prié avec une promesse. Il a fait une prière intense, une prière puissante. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il a ramené Dieu dans toutes ses promesses, tout ce qu'il a fait de lui. Et Dieu directement s'est souvenu que cet homme, il a fait de bonnes choses à la famille que j'ai choisie, à mes enfants. Il a écarté tous les hôtels
des hôtels des démons. Il a tout nettoyé et il a proclamé le véritable Dieu d'Israël en Israël. Un Dieu, quand il a entendu ça dans sa bouche, il dit, Esaïe, retourne. Retourne, dit. Parce qu'il a fait une prière puissante. Il a ramené Dieu dans ses promesses. Oh, aujourd'hui, on n'arrive pas à dire, retire-toi, Satan. Retire-toi, démon. Comme Jésus a dit, parce que Jésus, étant que Dieu, il a amené Satan dans les promesses. J'étais dans la prière pendant 40 jours. Je vais toujours te ramener. Parce que ma prière est puissante. Il est écrit, l'homme ne voit pas de père seulement. Et il est écrit, on ne tentera pas ton Dieu. Retire-toi, Satan. On est dominé par les démons. Les démons, ils restent toujours là. Tu marches avec lui, tu dors avec lui. Il n'arrive pas à se retirer de toi. Ta vie ne change pas. Mais tu pries au matin. Tu pries à midi, tu pries au soir. Mais ta vie ne change pas. Parce que ta prière n'est pas puissante, bien-aimé. Comment quelqu'un que moi j'ai entendu, depuis qu'il a commencé à prier, même pas un verset biblique dans ses prières, mais il a beaucoup de problèmes dans sa vie. Manque de la méditation de la parole. Comment une fois il va lire sa Bible, même si tu n'arrives pas à acheter la Bible de papier, mais dans nos gestes simples, c'est gratuit. Qui peut lire la Bible pendant les heures de repos? Tu travailles, tu dis, je n'ai pas le temps de lire, mais pendant les heures de repos, je peux ouvrir mon geste simple, je lis un verset. Je n'arrive pas à maîtriser les versets, je n'arrive pas, mais comment je peux prier? Non, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons comprendre les promesses de Dieu. Afin que nos prières soient puissantes. Afin que nos prières soient puissantes. Il y a plein de promesses. On peut prier pendant 30 minutes, 30 c'est trop. 10 minutes ici, non-stop. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter de ne pas prier. Parce que non, je manque même des paroles. Mais comment tu pries? Comment tu peux aller même 10 minutes, 20 minutes? Mais non. Si j'ai un problème de la maladie, je sais comment prier. Je sais comment m'adresser à Dieu parce que je prie que le Seigneur me guérit. Que dit la Bible? Qu'il est écrit. Tu es le guérisseur. C'est toi le guérisseur, mon Dieu. Tu as dit à ta parole que nous sommes guéris par tes médecines. La Bible dit, oh, tu étais blessé par dans le... Tu as cette blessure dans ton corps pour que ma vie soit guérie. Vous savez que Jésus avait cette blessure dans son corps. Ce n'est pas pour te bénir, mais pour te donner que la santé. La Bible dit on a arraché la barbe de Jésus. Or, quand on arrache la barbe, il y a toujours de la plaie. Il y a toujours du sang. Jésus a versé beaucoup de sang dans les sept places. On l'a piqué la couronne des épines dans sa tête. Il y avait du sang qui coulait. On a labouré son dos. Quand on dit labourer son dos, ah là c'est très fort. On a labouré le dos de Jésus. Quand on laboure le dos, le sang coulait. C'est ça ma guérison. Tu as des problèmes de stérilité. Tu arrives pas à m'apprendre qu'il y a plusieurs promesses. Seigneur, tu as dit il n'y aura pas de stérile en Israël. Il n'y aura pas de stérile ici au Logos comme il nous. Il n'y aura pas de stérile. Mais pourquoi tu me laisses toujours rester 10 ans, 20 ans? Mais toi-même, tu as dit, tu n'as pas fait à Anne, tu n'as pas fait à Elisabeth, tu n'as pas fait même à notre maman Sarah et moi. Mais depuis que tu as Seigneur, donne-moi des enfants. On a fait 10 avec mon mari. Seigneur, Seigneur, le monde va rigoler de moi. Seigneur, on dira ça. Seigneur, mais le Seigneur dit, mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire pour toi? Mais c'est donne-moi l'enfant. Mais où est mes promesses? Ta prière est vaine. Tu es resté 50 ans sans marier. Est-ce que Dieu t'a dit que tu ne marieras pas? Jamais. Ah Seigneur! Toi, tu as envoyé ton serviteur pour aller chercher la femme Isaac. Ah, moi, on ne cherchait pas, moi, Seigneur, il viendra, je vais aller. Tu dis que l'homme quittera, c'est pas toi qui as dit l'homme quittera.
Et moi, je serai toujours chez moi à la maison. Non, je dois quitter pour aller chercher le mien. Amen. Mais tu es resté, tu crois que le mariage va venir comme ça. Sans même la parole. Sans même des promesses de Dieu. Si lui me dit, il est écrit. Seigneur, il est écrit que je vais travailler ici. Parce que tu as dit, tout le monde doit travailler. L'homme doit travailler. Tu as dit que le jour c'est pour travailler. La nuit c'est pour dormir. Oh, mais moi je vais travailler. Seigneur, donne-moi du travail. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est le départ et l'arrivée. Amen. C'est lui le vrai cercle. C'est lui la parole, c'est lui la bouche de Dieu. Seigneur, tu es la bouche de Dieu. Tu m'as fait ta bouche. Alléluia. Quand je proclame des choses, ça va s'accomplir. Alléluia. Quelle est ta prière? Tu as des problèmes. Tu dis, mais Seigneur, tu commences à chercher des avocats. Ce n'est pas un problème. Va chercher des avocats. Mais tu es un avocat auprès du Père. Amen. Un véritable avocat. Quand tu pries ta prière, Seigneur, je te demande, je viens chez toi parce que tu es mon avocat par excellence. Viens, oh, conduis-moi, parle-moi devant le tribunal. Lui qui est là devant, il n'est qu'étiquette. Moi, je ne le vois parce qu'on n'est que dans le monde. Mais toi, tu es le juste juge. Donne-moi la justice. Comme la femme, une femme veuve qui partait toujours importuner un juge, et le juge là. L'a donné sa réponse. Amen. Et moi, tu es le bras de l'Éternel, Seigneur. Mais couvre-moi dans ton bras. Dans la Bible dit, je suis couvert dans ton nombre de ta dans le nombre de ta bras, de ton bras. L'homme, nous sommes couverts, nous sommes protégés dans les bras de l'Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé. Pour changer ton atmosphère, c'est facile. Pour changer ta vie, ta situation, c'est facile. Parce que nos prières étaient ratées. Nos prières n'ont même pas, il est écrit. Le diable, il doit toujours s'approcher. Quand tu pries, ton intelligence est dehors. Ton esprit est stupéfait. Tu n'arrives pas à comprendre le ciel. Vous savez, les gens qui ont bougé l'atmosphère dans la Bible. Pierre dit, tu es le fils du Très-Haut. Je te dis, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont, c'est mon Père qui t'ont révélé. Dieu va toujours te révéler des choses quand tu l'accroches dans ses promesses. Amen. Il est le conseiller. Tu vas où chercher tes conseils? À part l'homme de Dieu que tu as mis, lui-même, il est le bon conseiller, le véritable conseiller. Seigneur, conseille-moi, je veux faire une affaire. Seigneur, je veux faire une affaire. Toi, tu as dit, tu es le bon conseiller. Je viens vers toi. Seigneur, je veux faire ça. Conduis-moi, Dieu, je vais gérer. Viens me pouvoir ces missions que je voulais faire. C'est une affaire que je voulais faire. Viens, Seigneur, étends ta main. Protège mes affaires. La Bible dit quoi? L'homme de l'Éternel campe autour de tout qui craint Dieu. Ils arrachent au danger. Mais Seigneur, toi tu as dit cela. Maintenant campe-moi, maintenant protège-moi. Je veux que des anges descendent et protègent-moi. Tu as monté des anges à Jacob, non, n'est-ce pas? Et moi je veux voir aussi des anges tout autour de moi, afin que mes affaires puissent aller. Mais tu fais tes affaires sans me consulter Dieu. Tu sais ma Seigneur, Seigneur béni, au nom de Jésus. Je vais aller à Dubaï. Seigneur, je veux que tu me protèges. Amen. Là, tu prends la veille, tu pars. Le Seigneur dit, mais ça va, je vais te protéger par la Dubaï. Mais je ne sais pas, tes projets, je fais quoi tes projets? Nous devons changer des choses. Nous devons commencer à attirer les gens vers nous. Pas nous aller vers eux. C'est nous qui devons attirer. Vous savez comment attirer les gens? Nous devons commencer à impacter. C'est par la prière qu'on va commencer à impacter les gens. Quand tu pries les gens, c'est ça que tu pries. La personne qui est à côté de toi, il va sentir quelque chose. Cette maman, elle s'est priée depuis qu'elle a commencé. Je n'ai même pas entendu que Seigneur, je veux ça. C'est moi qui ai des promesses. Il y a des promesses. Comment il dit ça? Où est-ce qu'il a pris ça? Médite les jours, Seigneur.
que le livre de la loi ne s'éloigne point. Mais dites-les jour et nuit, afin que vous ayez continué. Il n'y a que des promesses. Un enfant de Dieu, bien aimé, nous devons faire effort de comprendre les promesses de Dieu afin que nos vies changent, afin que nous soyons des gens comme une maison qui est située à la montagne. Tout le monde y regarde la maison. Tout le monde y regarde la maison. Vous savez, même Jésus, la Bible a déjà prophétisé que sa mort sera hors de la ville. Et on l'a placé à la montagne. Tout le monde commence à regarder comment on a crucifié Jésus. Et tout le monde regardait les prescriptions. C'était écrit en latin, en grec et en hébreu. Tout le monde qui passe là, il parle les trois langues là. Quand il veut les rois des Juifs, il faut qu'il commence à impacter les gens. Quand les gens te voient, ils disent, toi tu es la fille du roi des rois. Toi tu es le fils du roi des rois. Papa, tu pries où toi? Moi, si tu veux, tu viens dimanche, tu viens dimanche, vois l'adresse. Parce qu'il sent quelque chose à toi. Quand tu parles avec quelqu'un, comme que tu paies, tu commences à dire des promesses de Dieu. Donc, il voit, mais toi tu pries où tu me parles. Mais quand tu vas commencer à parler avec ton frère, ta sœur, depuis que tu as commencé, il n'y a même pas la parole de Dieu. Et quand tu vas les prier, la prière est toujours derrière. Mais Dieu nous invite à faire une prière puissante. Une prière puissante il est écrit, qu'il y a des promesses. Jésus a vaincu Satan contre des promesses. Si lui a vaincu Satan contre des promesses et nous, toutes les promesses, c'est à nous. Ce n'est pas aux païens, c'est à nous les fils de Dieu. Il est écrit, tu es, oh Seigneur, l'arche de l'alliance. Vous savez l'arche de l'alliance. Quand Israël marche avec l'arche de l'alliance, le coffre, les Philistins commencent à trembler. Ils disent, voilà ces gens-là. Non, on ne peut pas les gagner. Parce qu'avec ce mal-là, ça c'est leur Dieu. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, marche avec moi. Parce que quand je marche avec toi, j'ai la victoire dans tous les chemins. Ma journée est que la victoire des victoires. La Bible dit, ne marchez pas selon ta chair, mais marchons selon l'esprit. Seigneur, ce matin, je vais marcher selon ton esprit. Et pas selon ma chair. Et le Seigneur va te faire comme ça parce que tu as déclenché quelque chose. Alléluia. Oh, l'agneau immolé, on t'a immolé comme un brebis porté dans la boucherie. Personne, l'agneau ne mérite pas, l'agneau ne crie pas parce que tu étais parti. Tu avais un sacrifice à faire pour que ma vie soit sauvée. Seigneur, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui ôtes les péchés du monde. Viens ôter mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Oh, voilà, même tes péchés, tu n'arrives pas même à dénoncer ça. Oh, il faut parler tes péchés. Dis, ne cache pas, même si tu caches, Seigneur, vois. Je peux cacher à ma sœur, à mon frère, mais à Dieu, je ne veux pas cacher. Seigneur, j'ai tombé avec un frère. J'ai tombé avec une sœur. Seigneur, je suis coupable. Pardonne-moi. Jean-Baptiste, quand il t'a vu, il a dit, voici l'agneau. Quand tu dis comme ça, le Seigneur t'a pardonné. Parce que tu tiens toujours dans ses promesses. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, je veux que ces péchés soient ôtés au nom de Jésus. Ah! Frère, la parole, c'est il faut aimer la parole. Quand tu aimes la parole, ta prière sera lourde. Ta prière sera lourde, ce n'est pas lourde de la faiblesse, lourde avec l'onction. Alléluia. Quelle prière puissante! La prière puissante, c'est ça qui sauve. C'est la prière de la foi qui sauve la maladie. C'est pas quand tu as la foi, tu dis Seigneur, béni. C'est toujours la promesse. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Tu peux manger la semoule autant, même tu peux manger au matin au soir. Il ne te donnera pas la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'après ça, le ventre, ça va demander, tu vas aller jeter ça dans les lieux secrets. Mais quand tu reçois la bonne sémence, le vrai pain, où lui m'a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oh, celui qui en mangeant, il n'aura pas la mort, mais il a la vie. Parce que vos pères, tous vos pères ont mangé la main.
dans le désert, tous sont morts. Parce que c'était la chair. Ah, Dieu a caché beaucoup de choses. Hein. Ils ont mangé la manne, non? Mais ça venait du ciel, non? Mais comment encore ils étaient tous morts? Parce que ce n'était pas le vrai Père. Dieu a caché la révélation. Il a donné à toi et à moi. Parce qu'au moment où tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai mangé le vrai Père. Puis et toi, le Seigneur Jésus. Et cette paix me donnera la vie. Aujourd'hui, avec le Père, j'ai la vie. Et le diable, quand il sera, il va rétrécir. Hey, mais c'est quoi ça? Moi, je veux pour te détruire toi aussi. Oh, c'est quoi ça? Je vais te donner le masque de vieillesse. Tu vas commencer à manger tout le temps dans ces moulins. Et le quoi que tu vas acheter là-bas. Non, je veux manger le quoi pour le corps. Mais pour l'esprit, c'est la parole. La Bible dit quoi? Je souhaite que vous soyez prospères à tous égards. Je m'arrête pas là. Je souhaite que vous soyez prospères à tous égards. Là, c'est physique. Là, c'est matériel. Tout le monde, amen. Ce n'est pas fini. Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est prospérée? Ton âme est prospérée pour que tu sois prospère à tous égards. Tu peux être béni, c'est bien, mais tu n'es pas prospère. Parce que d'abord, l'âme doit être prospère. Oh, l'âme doit être prospère quand tu es tout à la prière, Seigneur. Voilà, tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça, Seigneur. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça, Seigneur. Oh, je bénis ton nom. Tu es adorable, Seigneur. C'est toi. Tu as dit à une femme, à la femme samaritaine, est-ce que tu connais ce que vous adorez? Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas la montagne. Mais c'est dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est ça la prière, vraiment. La prière efficace. Que Dieu descend, il fait tout. Regarde ta prière. Quand tu changes l'atmosphère de ta prière, tu vas voir comment la vie va changer. Tu vas voir comment tes choses vont commencer à aller. Les gens diront, il a touché les fétiches. Lui, là, on les connaît d'ailleurs. On les connaît. Et c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a appelé. Quand on te dit comme ça, dis, oh Seigneur, tu viens toujours l'éternel. Seigneur, si on me dit que j'ai touché au fétiche, oh toi-même, qu'est-ce que les pharisiens disaient de toi? Tu fais tout dans les Belzéboul. Toi, tu es Belzéboul. Ah, là, Seigneur dit, oui, toi aussi, je te donne la sorcellerie. Parce que lui-même, on l'a accusé. Tu es Belzéboul. Tout ce que tu fais, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Belzéboul. Et moi. Quand il dit que c'est un pasteur démoniaque satanique, je dis au Seigneur, merci parce que toi-même tu étais un grand Satan. Ah bah oui. Vous savez, le vrai démon, c'est Christ. Hein? Tout ce qu'un diable fait, c'est une copie. Tout ce qu'il fait, c'est. Attends. Dieu a racheté. Il t'a racheté par le sang. Ni t'étais le sang, nous ne devons pas être rachetés. Mais qu'est-ce que le démon fait? Il dit, la vie, c'est dans le sang. Moi, si je veux commencer à demander le sang, tu peux me donner ta maman. Pour il a l'argent est là. Il a besoin du sang. Lui dit ça, sacrifice démoniaque. Mais nous, lui-même a versé son sang. Et son sang-là crie pour nous. Ce sang-là parle pour nous. Parce que le sang de Jésus parle. Donc moi, je ne sacrifie pas le sang. Moi, je veux seulement lui présenter ce qu'il a fait à la croix. Dans mes prières. Seigneur, tu as sacrifié le sang pour moi, nous. Tu as versé le sang et l'eau. Moi, je veux que ton sang crie pour moi. Je veux que le sang, Seigneur, change ma vie. Amen. Je veux que le sang donne moi la vie. Amen. Je veux que ton sang, Seigneur, me rachète. Amen. Je veux que le sang, Seigneur, me donne la paix. C'est pas que le sang, j'ai dit oui. J'ai coulé le sang pour que tu aies la paix. J'ai coulé mon sang pour que tu viennes à moi. J'ai coulé mon sang pour que ta vie change. C'est dans le sang. C'est les promesses de Dieu. Tu vas aller où? La prière d'efficacité, la prière puissante, une prière notée à la terre, une prière qui avance avec les promesses de Dieu, bourrée des promesses de Dieu. On a plus de 300 et quelques de promesses de Dieu dans la Bible. Lisez seulement la Bible, méditez seulement la Bible. Quand vous mettez la Bible jour et nuit, vous allez être bourré des promesses de Dieu et Dieu sera fier de toi. Tes prières seront changées. Tes prières seront changées. Même quand tu parles avec quelqu'un, il sent que toi tu lis beaucoup la Bible. C'est parce que quand tu parles, tu fais sortir les promesses de Dieu. Ah, ma sœur, il ne faut pas rester comme ça, il faut prier Dieu. Dieu a dit, il te gardera. Il te gardera.
Il sera tout ton départ est arrivé. Il est le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Le juste et juste, le soleil, le vent. Seigneur, voilà que tu m'as réveillé. Lorsque ton soleil vient sur moi, lui sur moi. Parce que toi, tu es le soleil, le vent. Je ne veux pas le soleil du jour aussi, mais c'est ton soleil. La lumière du monde, c'est toi. La lumière ici, il vient sur tout le monde, mais moi, je veux que ta lumière sur moi. Que je ne sois pas occasion de chute des autres, parce que ta lumière est là. Conduis-moi, Seigneur, dans un chemin qui est clair. Tu as dit, même si dans le fond, même si je change le chemin, tu es là. Tu es là, Seigneur, pour me ramener dans un bon chemin. Bien-aimé, ce n'est que la prière. C'est la prière qui change tout. Mais quelle prière qui change? La prière qui est puissante. La prière puissante, la prière qui a plein de promesses de Dieu. Là, tu commences à rappeler Dieu tes promesses. Seigneur, tu as dit ça. Seigneur, tu m'as parlé ça. Alléluia. David dit, depuis que je suis né et je viens, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pourquoi moi je serai abandonné? Non. Je rejette ça. Tu ne m'abandonneras pas. Je serai avec toi. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur, que tu seras avec moi tous les jours de ma vie sur la terre. Tu as dit, ta grâce et ton bonheur m'accompagneront. Mais Seigneur, je veux que ta grâce m'accompagne aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, que ta grâce accompagne mes enfants. Tu as dit que les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Mais pourquoi cet enfant toujours malade, tout le temps on n'est pas tranquille, Seigneur. Toi, tu as dit, et tu as dit que quand tu bénis, il n'y a pas de chagrin. Mais comme ça, c'est une bénédiction pour nous. Mais pourquoi tu as tout des chagrins dans ma vie? Le Seigneur, quand il écoute cela, il vient directement sauver. Il vient directement parce qu'il y a une promesse de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu pries des promesses de Dieu. Change ta prière maintenant. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de situations, même si pas toi mais ta famille. Même si pas ta famille, ton mari ou ta femme, ou tes enfants. Ou ton frère, ta sœur. Mais change la façon maintenant de prier. Nous allons prier par rapport à ce message. Une prière puissante. Et Dieu va délivrer tout de suite. Dieu ne tardera pas parce que tu as touché ses promesses. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et retire-toi, Satan. Dieu va être retiré de nos familles. Il doit être retiré de ta vie. Il doit être retiré de ta situation. Tout ce que tu voulais faire, Dieu va être retiré avec tes promesses. Prie au nom de Jésus. Ya Baba Koroshina Marasanda Baba. Seigneur, merci. Tu m'as parlé, Seigneur. Une prière qui est puissante. Seigneur, les apôtres ont dit, enseigne-nous comment prier. Tu as dit, lorsque vous priez, priez ceci, que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, oh Seigneur. Quand tu es au ciel, tes yeux sont sur les justes. Quand tu es au ciel, tu me regardes. Quand tu es au ciel, tu as pitié de moi. Quand tu es au ciel, tu fais tout pour moi, Seigneur. Et tu as dit, que ton nom soit sanctifié. Que quand je suis sur la terre, je vais toujours te sanctifier, Seigneur. Je vais toujours dans ton nom, Seigneur. Tu as dit, il est écrit. Je serai toujours près de toi, en haut et non en bas. Il viendra dans un seul chemin. Il retourne dans le seul chemin. Parce que celui qui est à moi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, je te le rejette, les démons. La souffrance, la malédiction, je te le rejette au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, Jésus, Seigneur a dit, il sait le projet qu'il a fondé pour moi. Non de malheur, mais de paix. Je veux que la paix maintenant. Je veux la paix au nom de Jésus. Je veux la paix au nom de Jésus. Je veux la paix au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es le commencement, tu es la fin. Tu as commencé par ta parole. Et ta parole.
parole a mis à écarté chair. Et cette parole a nous a donné la vie. Et cette parole a nous a changé. Et cette parole a donné la victoire, la certitude d'être enfant de Dieu. Et de croire, Seigneur, ta parole. De croire à toi, Seigneur. Merci pour sauver la vie de tous et chacun. Merci pour donner la force à tout et chacun. Parce que tu as dit, je te donnerai la force. Je te donnerai la force. Au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas ce qui est en vain. Au nom de Jésus. Accomplis, Seigneur, ta parole. La Bible dit, Seigneur, quand nous dormons, notre sommeil est doux. C'est la tranquillité de ma vie. C'est la tranquillité de ma vie. Donne à ton peuple la tranquillité. Donne la paix du cœur. Au nom de Jésus. Donne la vie à quelqu'un. La Bible dit, parce que tu es la vie. Tu es la vie. Tu es la vie, le chemin, la vie et la vérité. Que la vérité soit dans nos bouches. C'est la communauté de Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci le bras de l'éternel qui protège. Merci Seigneur. Oh Jésus. L'admirable c'est toi. La Bible dit nous sommes dans les véritables. Parce que tu es véritable. Il n'y a pas d'autre véritable. Ce n'est que toi. Tu es véritable dans ma vie. Tu es la véritable dans mon foyer. Tu es la véritable dans cette église. Tu es la véritable en tout. Personne ne continuera. Dans le nom de Jésus. Sois loué Jésus. Merci Seigneur pour la transformation de ma vie. Parce que dans la montée de transfiguration, tu as été transfiguré. Et Pierre a dit, Seigneur, ce mieux de rester ici. Contre-toi tant. L'une pour toi, pour Moïse et pour Élie. Parce que c'est là où il y a la vie. C'est là où on a vu des choses. C'est là où on a vu, Seigneur, des magnifiques pères de gloire qu'on n'a jamais vu dans notre vie. Et aujourd'hui, ça va s'accomplir au nom de Jésus. J'aime ta présence divine. Là, tu sais l'histoire. J'ai ferme tes yeux, bien-aimé de Dieu. J'aime dans ta présence divine. Ne te déconcentre pas. J'aime dans ta présence divine. Ferme tes yeux. Tu sais restaurer. Reste dans la présence du Seigneur. Une présence, ta présence divine. Reste dans la présence de Dieu. Une j'aime dans ta. Si tu avais quitté ta présence ce matin, car tu sais restaurer. Tu t'es dit que je veux à la rencontre du Seigneur. Il n'est dans ta présence divine. Ne te déconcentre pas. Il j'aime dans ta présence. Reste au devant de sa croix. Car tu sais restaurer. Agenouille-toi au devant de sa croix. Ne quitte pas. Il m'inite dans ta présence. Ne quitte pas sa présence. Pour combler mon cœur. C'est un jour. Dans ta présence divine. Alléluia. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Avec ton cœur, laisse que ton cœur parle. Le Dieu que j'adore. Alléluia. Emmanuel. Le Dieu que j'adore. Alléluia. Il m'inite dans ta présence. Sois loué dans ma vie. Pour combler ma vie. Sois loué dans ma famille, Seigneur. Entre mon cœur et ta couleur. Entre mon cœur. Entre mon cœur, mon femme, car tu
Acclame Jésus avec des sifflets, acclame Jésus avec des mains, acclame Jésus parce qu'il est bon. Alléluia.